Et bonjour. C'est la suite de notre let's play aventure sur Isaac Repentance, The Binding of Isaac Repentance. J'espère que vous allez bien. On va découvrir Bethany. Bethany qui était un personnage de Antiverse, je crois, mais je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Et qui a donc le Book of Revelation. Alors attendez. Qu'est-ce que ça fait? J'ai une flamme bleue. Qui gravite autour de moi, j'ai l'impression. Et j'ai des fragments de cœur bleu. Hein? Ouais. Ah. Attendez, je peux la réutiliser. En fait, ça me protège. Ça attaque. Mais c'est quoi cette histoire de cœur bleu là? Je comprends pas. En fait, j'ai peur de comprendre plutôt. Pour être exact. Oh. Oh. Bon, d'accord, on a plus de T-rate. Mais. Mais quad shot quoi. Bam. Bam. On va attendre. Dans tous les cas, on va attendre. Ah, le shop est ouvert. Yes. Aïe. Saloperie. Ah mais ça tire aussi des... Ça tire aussi des larmes. J'ai fait gaffe à ça tout à l'heure. Ah. Donc autant pas les perdre. Et je fais comment pour me protéger? Oh, pourquoi elle peut pas prendre de cœur bleu? Pourquoi il va falloir bien jouer? Déjà. Je suis pas prêt à bien jouer moi là. Ok, on a un quad shot mais... Ah. Ça peut devenir problématique. Ça peut quand même devenir vachement problématique. Mais bon. On n'a pas le choix, hein. On va devoir vivre dangereusement. Non, mais il faut pas que je l'utilise comme ça. Ouais. Alors on va essayer de pas utiliser les cœurs bleus. On va voir si au bout d'un moment il y a une limite et je peux enfin avoir de la vie en cœur bleu. J'ai pas eu de clé. Mais en plus, elle est où là? Elle est pas là. Elle peut être là. Elle peut être là, la secret. Ouais, elle pourrait être en dessous. C'est pénible. Pourquoi j'ai 0% de Devil Deal et 100% de chance dans Angel Room? D'ailleurs.
Bon. Le Duke of Lies. Ça va. Non, ça va. Normalement, c'est pas un gros boss. Voilà. Oh, le cœur bleu. Après, du coup, si on joue Angel Room, pas un souci. Hein. Hop. C'est pas un souci, si. Ça reste un souci quand même de pas devoir se faire toucher, mais. Ah ouais, mais. Oh, c'est nul. Bon. Si, au moins, je peux récupérer mon objet. Déjà. On va aller là aussi. Hein. Je piffe les pilules. Experimental pill. Tears down. Une pilule expérimentale. C'est une nouvelle pilule, ça. Et ça, c'est un nouvel objet. The Lurk Inside. Descendons. Mega Worst. Hein? Pardon? Mais il se passe quoi là? Il se passe vraiment ce qui se passe? J'ai vraiment des familiers qui ont pop comme ça, mais. En tuant des ennemis. C'est quoi, c'est le Lurk Inside? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Non mais attendez. Parce que ça peut être méga fort en vrai. Au secours. Mais donc les premiers mobs que je tue deviennent des sbires? On dirait. Ah, je me suis fait toucher ou pas? Je sais même pas. Je suis pas sûr. Mais vu mon pourcentage de chance de Devil Deal et de. Ah, j'ai. Ouais. Non, tu peux quand même. C'était sûr. Fallait bien que ça arrive. Pourquoi ces mouches vertes? C'est comme les mouches jaunes? Il y a des trucs chelous qui se passent. Il est bizarre le jeu là d'un coup. Il a changé. Plus le même qu'avant. Ah, par contre, mes pourcentages de chance de Devil Deal et d'Angel Room. Gros jeu. Hein. Non, mais tuez-les. Attends. Ok. J'ai pas eu le. Ouais. J'ai cru que c'était un allié sur le coup. Ah, les chances de Devil Deal remontent plus? Elle remonte pas un petit peu quand tu te fais toucher? C'est fini cette période? Ah. Dommage, j'aimais bien. Si tu veux invoquer d'autres sbires, c'est plus le moment. Plus de dégâts. Ça, on le récupère après. On va aller chercher l'objet. Est-ce qu'on a une petite secrète par là? Là? Bon, là? Ouais. On va pouvoir prendre la Sacrifice Room gratuitement. Toute Sacrifice Room. Plaisir.
Alors l'objet. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est quand même pratique. C'est marrant ce truc là de famille. Mais est-ce que ça synergise avec BFF? J'imagine. Ça doit être trop fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cookie de fortune. Eh mais... Hein? Mon objet? Mais... Et ma flamme? Attendez... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, ça, décidément, ça ne sert strictement à rien. Voilà, au moins c'est cassé. On est bon. Mais attendez, non, mon objet, il est pas là. Hein. Il est pas là non plus. Ça, c'est une machine à sous. Genre, non, parce qu'on dirait vraiment que le cookie, il est posé sur le livre. Mais qu'en est-il de... Hein? Voilà. On a des pourcentages à peu près corrects. Oh non, 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 non. Nickel. Là, faut se méfier. Juste des araignées qui peuvent tirer. Enfin, des araignées. Des mouches qui peuvent tirer. On est bon. Mais putain, et si j'ai une flamme? Mais y'a pas de limite au cœur bleu là? Moi je me suis dit peut-être qu'au bout de 10, c'est bon, j'ai le droit d'avoir des cœurs bleus. Mais pas du tout. Oh, le Tech X. Non, mais encore. Par contre, là, on peut pas trop le spammer. Mais alors, il est d'une violence. Normalement. Normalement, il fait plaisir, quoi. Ah. Oh, non. Ah, oui, attends, prends la bombe, quand même. Bon, let's go. Hein. Mais du coup, ma flamme, si elle tire des larmes quand même. Non, même pas. Je sais pas. Si. Si, si. Mais. I drop, tears up. Bon, ça fait toujours plaisir. Le cœur en plus. Non, on y va. On y va. C'est bon. Pas le temps. Non, mais je pense que de toute façon... Non, non. On est trop tard. Pour... Ah, on n'est pas forcément trop tard pour un boss rush. On verra. Allez, en vrai, petite salle au trésor, là. Enfin, petite salle au trésor. Petite salle secrète, je veux dire. Ok. Effectivement, il ne pouvait pas y avoir de salle au trésor. S'éloigner le plus possible. Ok. Ça se passe quand même bien avec Tech X. Hein.
Taki Squatshot. Pour l'instant, on a des builds qui sont sympathiques. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de débloquer des nouveaux objets? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de prendre notre partie? On avait déjà débloqué tous les objets. Au moins, on voit directement les nouveaux objets. Enfin, les nouveaux objets, en tout cas, qui ont été débloqués. Sont débloquables de base. Donc bon. Il y en a plus que ce que j'aurais pensé. Vraiment beaucoup plus. Boom. Tears et face up. Tears? Ça a rajouté du Tears avant? Je me rappelais plus de ça. Normalement, c'est pour avoir des cœurs bleus à l'infini. Bon, bah. Voilà. Yes. Hein. Yes. Yes, yes, yes. Ce serait bien de pouvoir réussir à avoir un pacte avec le diable ou avec les anges. Ah oui, c'est vrai. J'y vois rien. Enfin, mais 22. Ah, moi, je, pour l'instant, j'utilise rien de mes cœurs bleus. Il y a qu'une fois qu'on sera arrivé au dernier étage où j'utiliserai tout comme un gros sac, mais... Mais pas avant, enfin, ou quand on sera en situation de mort, quoi. De mort imminente. Ah, d'accord. Petit effet de mort avec ça. Why not? Ah pardon, c'est fini. Alors attends, avant les pilules. Oh, il est bien lui, c'est un bon pote. Hein. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de le jouer? Pas avec... Pas avec elle. Shot speed up. Range down. Bon. C'est un peu pénible, mais c'est pas grave. Allez, let's go. Let's go, let's go. On a potentiellement le temps d'aller faire le boss rush. Ce serait quand même fantastique. Oh, je suis pas sûr que la range change quelque chose en fait. Hein. C'était Kix. Hein. Pas le temps. J'ai pas le temps pour ces conneries. Non! Pas vous. En tout cas, j'ai pas le temps. Mais je fais comme si j'avais, hein. Non, mais s'il te plaît. Pour l'instant, on prend tous les meilleurs chemins. C'est miraculeux, hein. Pour l'instant, c'est miraculeux qu'on se prenne pas de dégâts, hein, je vous le dis. Hein. Allez, prends ça. Oh non, mais. Oh, c'est chiant le message. Il est chiant le cookie. Je sais plus ce que ça fait, ça. Là, le poisson, je crois que ça... Soit ça améliore nos mouches, soit ça nous en fait pop. Et dans la potentialité où ça nous en fait pop, ben... Voilà. Sachant que, hop, on fait ça. Juste histoire de rajouter l'objet dans la liste de ceux qu'on a pris. Après, il y a peut-être un intérêt du coup. Ah, mais ça me fait dropper des cartes. En fait, je combine mon Book of Révélation avec un autre objet, quoi. Donc en vrai, ça a un intérêt. Par contre, le problème, c'est que les cœurs bleus sont infinis. J'ai pris un coup. Merde. Je voulais pas faire ça. Bon. J'ai peut-être pris un coup vu mon pourcentage de chance de... Ah mais non. Non non, je confonds avec celui de l'étage d'avant. Ok, let's go. On est bon. Ah oui, en gros le... Quand j'ai la note, c'est le bad ending quoi. Ah en fait faut pas que je fasse toucher mes flammes quoi, vraiment.
Faut que je protège mes flammes, hein. Et je me suis fait toucher. Malheureusement. Bon bah let's go. Est-ce qu'il y a un objet qu'on connaît pas? Ça, ça me parle pas. Mais peut-être. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de connaître. C'est quoi toi? T'es la nouvelle paresse? Non mais lui là, d'entrée? Vraiment? Oh, je te déteste toi. Après j'ai un two of heart. Dans ma situation c'est bien. Ah c'est celui-là. Nice hein. Orange. Mais putain, je pensais que je l'avais tué. C'était l'autre que j'avais tué. Non, je l'avais pas tué non plus. Au secours, hein. Pire début de boss rush, hein. Ah, mais oui, mais bien sûr, il y a lui avec. Ah oui. Ah bah oui, mais les pires combos. Les pires combos ensemble, évidemment. Ah putain, eh, ce rocher là. Oh non mais pas lui. Oh 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 oh. Elle est liée à la nouvelle musique de Boss Rush. Dans chaque coin? D'accord. Ok. Mais non mais... Arrête de faire de la merde. C'est quoi le deuxième? D'accord. Ouais. Oh, les deux sont des menaces, je crois, hein, du coup. Ouais, 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 les deux sont bien des grosses menaces, ouais. Saloperie. C'est bon? Je crois que c'est bon, ouais. Il reste plus que lui. Ensuite. Les pires saloperies en premier, hein. Nickel. C'est quoi le... Ok. Repérer les deux boss, hein. Reprendre les bons réflexes. Mais putain, mais oui, il y a un rocher ici. Coucou Magdalene. Oh non, mais on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Non mais là on devrait réussir à le faire quand même. Après ce sera quoi, The Moons ou... Oh, nouveau skin ou nouveau boss? Non, nouveau skin. Simple nouveau skin ça.
Eh bien gros. Et on a débloqué les catacombes. C'est pas fini, ok. C'est pas terminé. Ça va, je note, ça va, je note. Allez, gambare. Allez. Et Betface. Ok. La foi de Bethany. On va prendre The Moon. Ça, voilà, ça, normalement, ça augmente mon dégât. Et c'est parfait. Vas-y. Boum. Ok. Bah, let's go. On peut y aller. On peut continuer. Après cette petite interlude boss rush. Du plaisir. Vous êtes pénible. Oh, vas-y. Pourquoi j'ai une vie en plus, potentiellement? Ah oui, j'ai le Guppy Scholar. Toujours un seul objet de Guppy à la fois. Hein. C'est vrai que... Il vient pas d'une zone safe. Pourquoi il se paralyse? Pourquoi j'ai des effets quelconques qui se mettent des fois sur mes trucs? Ça aussi, je ne sais pas. Beaucoup d'inconnus. On est quand même efficace. Hein. Ça, c'est bien. Oh, saloperie. Ils sont encore plus dégueulasses qu'avant. Un exploit. Comme un exploit. Le mob était déjà horrible. Ils ont réussi à le rendre encore plus dégueulasse. Et du coup, j'ai deux objets en un. Ça, c'est fort quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? It's leaking. Bon, vas-y, on va prendre ça. Je connais pas, on va prendre. Qu'est-ce qui coule? Qu'est-ce qui s'échappe? Enfin, leaking, ça peut avoir plusieurs sens. Ouais. N'aie confiance en personne. Ouais, mais je garde ça, moi. Je sais pas, ça m'inspire. Saloperie. Non, mais tire, s'il te plaît. C'est pas par là. Ça, on l'a déjà pris. Ah, c'est vraiment du coup complètement de l'autre côté, quoi. Allez! Ah, Empereur. On va garder vie Empereur. Mais on le gardera pour le deuxième étage. Voilà, prends la pièce. Je sais pas trop à quoi ça me sert de prendre des pièces, mais je les prends. Sait-on jamais? Il y a sûrement des succès que j'ai pas encore débloqué avec le nombre de pièces. Notamment, je crois qu'il y en a un pour 99 pièces. Du coup. Enfin, je dis succès. Dans le jeu, du coup. Sur Steam, c'est bon. Mais. Toujours plus de cœur bleu. Toi qui es pénible, ça va déjà être un peu mieux avec ta kicks. Oh là là, oh ce plaisir. Non, par contre, s'il te plaît, fais un effort. Stuff. Non.
Non mais alors juste on prend ça histoire d'avoir dit on l'a pris, voilà, super, parfait. Allez, on se casse. On se casse. Et on se casse hein. Et let's go direct hein. On va toucher maman en plein cœur. C'est bon. Ah mais j'ai eu des cœurs bleus. Il y a un nombre limité de flammes visiblement. Le Wisp Baby. Ça c'est quoi? C'est double active. Two of Clubs. The Stars, ouais, ouais. Bon bah voilà, let's go. Hein. Five Nights at Moms. Five Nights at Moms. Alors là, attendez, est-ce que j'ai débloqué un succès? Mais je le connais en plus ce succès. Mais c'est pas un truc où il faut juste. Ah. Ça doit être. C'est marrant. The Rubber Cement est apparu dans le basement. Le Wisp Baby. Le bébé des souhaits. Ace of Club. Super Special Rocks. Mais. Je l'ai débloqué. J'ai pas pu le débloquer là-dessus. Parce qu'en fait, il me semble que, si je dis pas de conneries, hein, Five Nights at Moms, c'est un succès qui consistait à gagner avec 5 personnages différents d'affilée sans reset. Si je dis pas de conneries. Mais ça veut dire que ça me l'a compté sur différentes parties. J'imagine, hein. Enfin bon, en tout cas, j'ai débloqué un succès, moi je suis content. Un succès de plus. Et surtout, voilà, on a pu un peu découvrir Bethany. On a battu maman avec elle. T'as intérêt à boire bien Snowball quand même. Hein. Parce que... Parce qu'avec son objet... Le Book of Revelation, là... Vu que t'as pas le droit d'avoir des cœurs bleus... On n'a pas vu un seul cœur noir, donc je sais pas si t'as le droit d'avoir des cœurs noirs et que c'est différent des cœurs bleus, mais je pense pas. Donc en gros, t'as aucune protection, t'as pas le droit de te faire toucher, en fait, si tu veux avoir ton Devil Deal. Donc bon... On a vu mieux, on a connu mieux, hein. J'ai pas fait de bêtises, non, c'est bon. Mais en attendant, on a débloqué de nouveaux personnages, donc ça, c'est bien. Je pense que la prochaine fois... Ah, on a débloqué Eden. J'ai pas fait gaffe. Incroyable. Je pense que la prochaine fois, on ira peut-être se faire une petite run Azazel. Petite run Azazel. Petite plaisir avec Azazel, là. En plus, on a fait un boss rush. Ça, c'est beau. Donc bon, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.